2001. Ensuite, en 2008, Rédemption, pour montrer un autre visage de Jack Bauer, et ensuite une mini-saison. Jack Bauer est un héros torturé complexe. Il n'hésite pas à utiliser la torture pour réaliser ses fins ou ses buts. La torture, justement, quand il l'utilise, il considère qu'il doit le faire par nécessité, non pas parce que c'est un sale type. Il reproche même à un homme qu'il est en train de torturer d'être obligé de faire ce qu'il a à faire. Dans saison 2, il va même jusqu'à dire qu'il le est. Mais ce problème moral de la torture a invité justement les producteurs de cette série en 2008 à réaliser le téléfilm plus précisément Rédemption. Alors est-ce qu'on peut dire que Jack Bauer est un utilitariste, et qu'est-ce que c'est que l'utilitarisme? Alors l'utilitarisme, c'est une doctrine qui vient d'assez loin. Elle commence avec le matérialisme d'Hevesius. Elle va se développer ensuite avec Jeremy Bentham, puis ensuite John Stuart Mill. Le principe de l'utilitarisme est en fait assez simple. Il faut maximiser le bonheur des individus. Et de ce fait, une logique du sacrifice peut voir le jour. Si je veux garantir le maximum de bonheur à des individus, il va de soi que je peux sacrifier ceux qui nuisent à ce principe du bonheur. L'impartialité de la morale utilitariste fait que finalement, peu importe les individus, ce qui est visé, c'est donc l'utilité sociale. De notre côté, face à cette morale des conséquences ou cette morale utilitariste, il existe ce qu'on appelle une morale déontologiste. C'est la morale du devoir de Kant, qui se définit par l'idée d'intention ou de bonne volonté. Le but de l'action, c'est d'agir selon finalement une intention louable, peu importe les conséquences. En cela, la morale kantienne du devoir apparaît désintéressée. Mais face à un monde complexe, peut-on toujours agir de manière désintéressée? C'est en cela que le personnage de Jack Bauer est très intéressant. Ce n'est pas un utilitariste au sens fort et ce n'est pas un déontologiste au sens fort. Bien plutôt, comme certains critiques ont pu le dire, Jack Bauer serait plutôt un pragmatiste qui s'adapte aux exigences de l'action. Il lui arrive parfois, justement, d'être déontologiste, d'agir selon des principes et même par amour pour sa famille. Mais d'un autre côté, il n'hésite pas à sacrifier, à torturer des individus lorsque le bien commun de son pays est en jeu. Et on peut donc dire que Jack Bauer montre à quel point toutes les morales définies de façon abstraite sont caricaturales. Il peut effectivement nous arriver d'être utilitariste, d'être déontologiste et d'être pragmatiste. Tom, dans une ville du Far West, aux USA, est accusé de meurtre. Le shérif sait qu'il est innocent. Un choix est à faire. Premier cas, le shérif décide de ne pas pendre Tom, car il est innocent, mais il s'expose à une émeute, car la foule veut un coupable. Ou bien, petit b, le shérif décide de pendre Tom pour satisfaire la foule, et dans ce cas, il sacrifie une personne pour en sauver une centaine. Quelle est la meilleure décision morale? Situation de guerre. Des hommes sont enfermés dans un bunker. Il y a même des femmes et des enfants. Soudain, un bébé se met à pleurer. Un choix s'impose. Est-ce qu'il vaut mieux, petit A, laisser le bébé pleurer au risque d'être tué, exterminé par l'armée adverse? Ou bien, est-ce qu'il ne vaut mieux pas éliminer la source
de danger, c'est-à-dire tuer le bébé. Jack Bauer, agent fédéral du FBI, utilise la torture comme moyen de parvenir à ses fins. Peut-on dire qu'il s'agit d'une morale utilitariste ou bien d'une absence de morale? Qu'en penses-tu, John Stuart Mill? Il ne suffit pas de promouvoir le bonheur du plus grand nombre, selon John Stuart Mill. Encore faut-il distinguer le calcul des plaisirs du critère qualitatif de choix. Mill accepte le principe d'impartialité de la morale utilitariste de Bentham, mais ce cadre est aussi trop rigide. John Stuart Mill met l'accent sur les dispositions vertueuses de l'agent. En ce sens, il vaut mieux être un homme insatisfait qu'un porc, et il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait. Pardon pour le porc. Bentham ne se place pas en moraliste. Pour lui, ce qui importe, c'est de ne pas nuire aux autres en vertu du principe de non-nuisance. En revanche, John Stuart Mill entend atténuer cet utilitarisme calculateur ou cet hédonisme égoïste. Il s'agit de prendre en compte les fins, mais aussi les moyens. Et en ce sens, la torture est immorale, même lorsqu'elle servirait des fins qui seraient louables. Mon régiment est engagé dans une bataille très périlleuse. Pour déstabiliser l'adversaire, il faudrait franchir l'autre côté de la rivière. Je décide de prendre cette décision et donc de prendre des risques en conséquence, malgré ma peur de l'ennemi. Personne de mon entourage sort de prison et doit témoigner de sa bonne conduite afin de trouver un emploi stable. Lors d'une visite chez moi, elle me dérobe un bijou. Au lieu de la dénoncer à la police, je préfère ne pas le faire. Je décide même de lui offrir cet objet. Je me promène dans la rue un soir d'hiver et je vois assis par terre un mendiant et son chien. Je m'avance vers le mendiant et je lui donne mon manteau.